vient juste là. Toi, tu l'as faite également. Tu l'as faite également. C'est des choses que j'avais dit, je voulais les voir avec toi. Ouais. Toi, tu l'as faite également. Les coups de pied, tu mets le coup de pied et tu abaisses ta main comme ça. Tu abaisses ta main. Ça, c'est des erreurs. Il y a deux contres que tu peux faire sur des low kicks. Okay. Mets-moi un low kick externe. Là, la droite. Ouais, ouais. Ses mains sont basses. Mets-moi un low kick interne. Là, c'est mieux. Ah, oui, parce que je te l'ai dit. Donc, low kick externe. Bam, la droite. Low kick interne. Bam, bam. Putain, sa main, elle était basse. Wow, ouais. Sa main était basse. Et souvent, c'est ce qui se passe avec. Et la preuve, lui, il l'a fait et tu la counter derrière. Tu la counter toi derrière. Mais toi, tu le fais, mais lui, il n'est pas capable de te counter. Et plusieurs fois, tu as fait ça. Tu débalances vers l'arrière. Tu compenses un peu avec le manque d'équilibre. Alors, tu vas un peu faire l'arrière. Donc, tu es juste des points qu'il faut travailler, des petits détails. Tu vois, regarde, maintenant, il va le refaire. Et tu vas revenir par-dessus. Tu vois, tu reviens derrière. C'est pour ça que je me filme souvent pour essayer de voir mes défauts. Des fois, je ne vois pas tout le temps. Même des fois, je me mets au ralenti pour essayer d'analyser. Mm-hmm. C'est comme ça que je me suis aperçu que je redescendais mes points souvent. Hein. Ouais, c'est courant. C'est courant. C'est des petits défauts courants quand on commence, etc. Mais si on ne te le dit pas, là, tu peux pas le savoir. T'sais. Regarde, lui, ses points tendent, il ricoche, il tape, il ricoche. Ses points tendent souvent. C'est ça. Ah, pareil, c'est sûr, il n'y a pas de variation, il n'y a pas trop de variation, c'est pas grave, c'est des choses qu'il faut juste travailler, améliorer le vocabulaire là-dessus. On se jette trop vers l'avant, c'est des choses basiques. Je vais te rectifier, je vais te donner 2-3 affaires, tu vas le rectifier, comme garder les mains hautes, des choses un peu plus pro, pour quand tu mets un low kick, moins swing ici, que c'est amateur de faire ça swing. Tout vraiment. Là, quand tu kicks, garde ta main haute si tu veux faire ça. Sinon, des low kicks ne baissent même pas ta main. Non, il n'y en a pas. Ok. Juste fais du shallow boxing. Okay. On va commencer par ordre simple. Très cool. Vous allez devant moi. Moi, je vais juste vous regarder. Lui, j'ai vu dessus. Lui, je ne l'ai pas vu. Donc, je vais pouvoir aider. Ouais. Vous allez faire du shallow boxing. Je vais vous donner un vocabulaire de shallow boxing, une chose à faire. Okay. Vous allez commencer par juste des jabs de droite. Gauche-droite. Droitier, gauche et droite. Ouais, c'est la même affaire. Ok, donc juste comme ça. Oubliez-moi, tournez autour, je veux juste des gauches et des droites. Après, je vais vous dire, ok, maintenant faites-moi des crochets en plus avec les gauches-droites. Et on va ajouter des uppercuts en plus. On va ajouter. Okay. Et après, je vous dirai, ok, maintenant on fait avec des esquives. Et à chaque fois, on va ajouter. Et après, on dit quoi? On met des genoux. Après, on va mettre des kicks en plus. Donc à chaque fois, être progressif comme ça. Ça va vous échauffer en même temps, contrôle moi, et en même temps, moi je vais pouvoir bien voir, parce que la vidéo c'est une chose, t'as quelqu'un face à toi, et la vidéo c'est vraiment c'est pire encore. On y va, juste gauche-droite. Le premier pied qui est en ligne de mire, qui est de, le premier pied qui doit
doit se déplacer, qui est dans la direction, c'est lequel? Bah, par exemple, pour moi, c'est lequel? Là, ok, donc je vais me déplacer et je vais déplacer l'autre après. Je veux toujours rester là dans cette position. Il y en a qui font l'erreur de faire, ah, tu fais ça, non, c'est pas comme tu marches dans la rue. Donc, si tu fais ça, là, je veux aller derrière, là, je veux aller à droite, là, je veux aller à gauche, là, je veux tourner autour, qu'est-ce qui se passe? Là, et je fais un petit pas, là, je fais un petit pas. Le fait, tu vois, regarde ton patron, tu vois, il est sur une ligne. Pourquoi? Parce que regarde, je vais t'expliquer ici sur un disque. Devant, derrière, côté, derrière, c'est correct. Vous allez vous en rappeler, vous allez dire, oh, ok, c'est vrai que c'est mort, vous allez vous sentir bien. Tourner autour, c'est ça. Imaginez-vous la distance, tiens, à l'école, je vais faire des devoirs. C'est bon? Oui. La distance entre ici et ici, est-ce qu'elle est pareille de ici et ici? Non, d'accord. Okay. Mais imagine-toi que si j'ai mon pied gauche qui est ici, j'ai mon pied droit ici. Ici à ici, c'est pas la même que ici à ici. Non, c'est pas pareil. Elle est plus grande celle-là. Okay. Pourquoi? Parce que si je suis face à moi, je regarde face à moi, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton pied à l'extérieur. C'est ça, tu vois. Mets-toi plus large comme ça. Et ton pied, regarde, ne tourne pas comme ça. Mais je sais que c'est pour le studio au karaté que tu es comme ça. Mais si tu peux le rectifier comme ça, ce serait bien. Pourquoi? Je veux mettre un coup de pied. Putain, je le ramène de loin. Je veux mettre un coup de pied. Bam! Il va tout de suite. Ça va directement. Au lieu de faire le tour, j'ai un raccourci. Exactement. Parce que tu veux être plus rapide et tu veux faire mal le plus vite possible. Alors que là, bang, c'est le karaté, je respecte le karaté dans son noble-là, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on va dans d'autres sports, je trouve qu'il y a des choses qui sont meilleures que ça. Ok, donc maintenant regarde, si je suis face à toi, si je fais juste un déplacement comme ça, est-ce que j'ai un avantage? Non, on est 50-50, on est pareil. Okay. Maintenant, si je fais le grand pas ici et un petit pas ici, moi, j'ai un avantage dans le sourire. Lui, il regarde là-bas et moi, j'ai un avantage sur lui. Donc, sur lui, là-dessus, c'est ça où je tourne. Si je le fais de l'autre côté, pareil, petit pas, grand pas, j'ai un avantage dans lui. C'est pour ça que, vu qu'on est droitier, on fait un grand pas avec la droite et un petit pas avec la gauche. Et regarde, je suis revenu, si tu vois, dès que je suis revenu, vous voyez, gars, je suis revenu dans ma position dans laquelle j'étais. Alors que si je fais comme tu as fait, toi, regarde, je ne suis pas dans la bonne. Je suis dans l'une des poussons où je ne veux pas être. C'est grand pas, petit pas. C'est ça. Mais autour, si tu veux, c'est comme. Viens par là, s'il te plaît. Okay. Regarde, si tu veux, je vais tourner autour de lui de façon à être toujours. Toujours à distance pour le frapper. Donc, quand je reprends le disque, ça c'est bon. Je tourne toujours mon pied gauche et tu restes là. Pourquoi tu dois redonner ça? Que si j'en fais un de trop ou de moins, ou plus grand ou plus petit, je ne vais pas être à bon endroit. Ce qui se passe, c'est que regarde, je vais le faire là, je vais aller là, hop, je le touche. 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 Tu vois? Tu vois? Bam, je le touche. Fait que je suis toujours dangereux pour lui. Ok? C'est la base. Reprenez le shadow boxing gauche-droite, ça, ça t'applique à tout. Ok. Ça va? Ouais. Ça, dès la base, vous allez avoir comme quelque chose de bon. Allez, go. Donc, gauche-droite, et il devient vocabulaire quand vous donnez les gauche-droite. Donc, des fois on met une gauche, des fois on met trois gauches, deux, des fois on met gauche-droite, gauche-droite, gauche, des fois on met droite, gauche-droite, on mélange, c'est comme. Varie. Tout ce qui passe par la tête, de fais-le. Quand tu rebondis,
C'est que tu restes en équilibre. Absolument. Quand tu mets un coup, tu ne dois jamais aller vers l'avant. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi j'aime avancer. » Il y a une différence entre avancer et perdre l'équilibre. Parce que moi j'aime avancer. Mais oui, c'est sûr. Si tu fais ça, tu mets tout sur le poids avant, tu tombes vers l'avant. Oui, j'aime avancer. Tu te mens à toi-même en te disant « Hey, j'aime avancer. » C'est parce que tu perds l'équilibre, alors je rattrape avec d'autres coups, d'autres coups, d'autres coups. Sur le jab, j'ai une question. Oui. Il y a des coachs qui disent d'avancer un petit peu le pied, comme ça. Il y en a qui disent de ne pas bouger le pied. Les deux sont bons. Les deux sont bons. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de fausse méthode là-dedans. Les deux sont bons. Pourquoi ? Viens avec moi, simple. Tu vas regarder tes menaces. Je vais mettre KO, d'accord ? Je vais mettre KO. Sûr ? Ok. Il y a un menteur. Ok. So, pourquoi ? Des fois, je vais être là, juste là. Je reste à distance. Et des fois, je vais devoir avancer. Exemple, il est un peu loin. Bam ! Je vais avancer. Combien des fois je vais avancer ? 1 et 2, je coordonne avec la droite. Donc les deux. Ah, et des fois aussi c'est bon, même si je suis sur place 2, juste rah, lui donner fort. Et le fait d'appuyer, ça va. Les deux sont bons. Il faut juste que tu l'entraînes au sac, que tu le gardes là. La vraie gauche, c'est que tu déplies ton bras et tu le tournes. Enfin, bam, et tu le tournes. Et le fait que, ça soit tendu, c'est là où ça fait mal. Alors, des fois, c'est bien d'avancer. Je dirais que les deux sont vraiment bonnes pour le faire. Donc, pour les pratiquer, tu sais, shadow boxing, il faut faire attention parce que ah, tu vois comme quand t'as entendu mon coup craquer, juste ça peut créer des tendines. Et les deux sont bons. La droite, par contre, comme toi, je le vois faire, lui le fait un peu moins, c'est que tu fais ça. On va bien faire ça, caméra. Tu fais ça. Juste là. Et comment tu veux toucher? Et après, c'est toi, tu vas être le cobaye, tu vas finir la journée bleu comme ton chandail. Donc regarde, je le touche avec la gauche, comment tu veux que je le touche avec la droite? Il faut que je tourne. Alors toi, ce que tu fais, c'est comme dans la vidéo, tu avances. Et ça, c'est faux, puisque tu perds le poids. Ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu tournes dans le chest. Dis-toi que une épaule, l'épaule du côté qui frappe, c'est-à-dire celle-là, où elle veut, celle qui va frapper est toujours en avant de l'autre. Là, si je me mets une droite, tu penses qu'elle est avantagée? Non, il faut que je tourne. Et pour que je tourne, il faut que je tourne trois choses. L'épaule, la hanche et le pied. Le pied, quand je le tourne, imaginons que j'ai une cigarette par terre ou un essai que vous détestez, peu importe. Je fais une image. Écraser, tourner. Ne veux pas tourner comme ça. Tourne juste assez là, que tu vois une ligne droite jusqu'à ton talon. Et également un indice, c'est pas parce que je fais ça que tu auras un peu du mal pour le faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu es comme ça à la base. Alors quand tu vas mettre la droite, tu vas faire ça. Tu vas le faire à la droite, mais le problème c'est que tu seras toujours le problème en avant. Il faut que tu restes sur place et tu tournes. Lui le fait, c'est ça. C'est, le truc c'est que si tu vois en construction, si je te mets une règle à niveau, il faut que tu aies la petite bonne règle à niveau, c'est quoi avec la petite bulle? La petite bulle reste. Si je fais ça, je crache. Alors il faut que je fasse ça. Et c'est pour ça que souvent toi, tu te rends compte, est-ce que tu as le problème de mettre des droites de côté? Comme lui il est là, tu fais ça. Quand tu fais des pas, souvent tu vas aller là. Parce que tu te pousses vers là. Il faut aller là. Donc on fait des pas pour les dents qui tiennent. Tu fais un peu à l'œil. Je suis tout le temps ici. Non mais c'est bien, c'est une différence là. Maintenant quand vous mettez les pattes, ne les mettez pas comme ça, allez plus les mettre là. Allez plus les mettre fermés. Alors les gens qui font ça, ils sont pour tes coudes, je dis, moi je me sens bloqué le bras, le coude qui part là, allez, puis comme de moi une droite ici, comme bam, résiste un coup, pas aller la chercher là. Et souvent ce que vous pouvez faire, c'est juste faire des pattes. Lui met des gants, toi tu mets des gants, il te tient juste les bases. Mais moi je le fais souvent, si vous allez voir tantôt, mais moi une gauche, je le fais juste avec et je les mets là, je les mets proche de ma face, comme ça il le voit, gauche. Et gauche ici, c'est ça. C'est, on mélange les deux, mais ou les faire là, parce que là tu as plus de résistance que celui-là. Et d'ici tu approches, tu es comme alors que là, et donc la droite, bam, ici. Ça va Ouais, mieux, tu vois. Essaye de frapper. C'est comme si moi je passe à toi là, il se monte. Regarde, tu jettes ton arme. Ouais, jette.
C'est-à-dire, je vais te donner un échec avec la main. Ouais, droite. C'est bon. Les deux. Ah oui, tu restes là, ça. Oh, ouais, t'as la bonne distance. Oh. Parce que tu restes là et juste tu bouges ça et les hanches. Ok. C'est ça. Elle va être super. C'est bonne idée. Là, j'ai appris la différence. Si tu tires, je suis obligé de le faire quand même. Bam. Alors là, tu vas vers la porte. T'as une hyper défi. Parce que moi, je suis content de ma bague. Elle fait mal. Allez-y. Maintenant, on ajoute des crochets. Pareil, Dave.
On essaie de tourner, essaye de tourner. Ah, tu es rouillé là, tu dois bien travailler pour ça. Allonge tes bras, toi, derrière. Hein? Yes. Good one. Et on met les genoux en plus. Ouais, le truc c'est que quand ton buste descend, le but c'est que tu ailles vers l'avant. Donc tu gardes, tu montes, parce que toi tu descends vers là, et comme ça, donc tu vois plus rien. Là, je vais vers là. Un, switch. Je rentre le coude, les mains sont hautes. Donc je pénètre. Oui, mieux. Tu vois plus les choses. Essaye de regarder toujours plus haut. Ça commence à regarder pas. Ok, on rajoute les coudes. Les coudes, c'est comme des points. Ça, c'est comme un point. Imaginez-vous que ça, c'est un point. Imaginez-vous que tu n'as pas d'arme. Il n'y a pas de bras là. Ça, c'est un point. Donc, faire ça, c'est comme si tu faisais ça. Tu vois dans la tête, comme si tu fais ça. Alors, il y a une façon de les faire. Si tu tournes ta main comme ça, tu taperas avec le muscle. Si tu tournes ta main comme ça, tu taperas avec le point. Le point ne doit jamais descendre plus bas. Alors, différents coups, je suis là, je fais pas ça. C'est comme si je ferais ça avec le point. Vous imaginez-vous, c'est ça. Donc, là, tu démarres de là, 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 là. Le point se promène autour du visage. Et c'est comme une droite. Là, 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 là. Quand je fais un split back, je peux tourner autour de moi-même. Il faut que mes poings soient bons. Il faut que mon step soit bon, donc hop, je peux sortir et puis hop, bang, revenir ou bang, stabilise. Tu vois, tu fais 2-3 pas en plus. Même toi, tu vas aller chercher comme si tu mettrais un coup comme ça. Imagine-toi que tu n'as pas de bras, que ça c'est un point. Je ne vais pas faire ça. Donc tu fais ça. Et le point, garde ta mâchoire, là, toujours à la hauteur. Et là, là. Et des petits mouvements, les coudes c'est petit, c'est des petits mouvements, on est encore pas là, c'est comme des lames de rasoir, donc on ne doit pas les voir. Yes, voilà, c'est beaucoup mieux. Et tourne maintenant, quand tu as fait l'autre, tu as fait le même droit, tourne avec ton chest. Ouais, ça c'est beaucoup mieux. Vas-y toi. Le coude plus droit. Oui. Et t'as vu tes. Là. Là, tu avances là, pas de problème. Quand tu donnes comme ça, démarre là. Yes, regarde, tu tournes là. Vas-y. Ouais, beaucoup mieux, tu sais. Plus de puissance. Tourne, je sais que c'est pas facile de remettre de rouiller dans des choses rouillées comme ça. Maintenant, des quais. Les mains hautes. Essaye les mains hautes avec des low kicks. Et ça, et tourne. Bye. Hein? Vas-y, toi, montre-moi des beaux coups de karaté. Les mains hautes, essaye les mains hautes pour les deux. Je sais. Mais au moins, si tu le fais pas, au moins fais ça. Garde tes mains hautes et quand tu fais le low kick, fais ça vers le haut. Donc, ta main reste à la hauteur de ton épaule. Et ça, c'est professionnel. Quand tu fais des middle kicks, tu ne verras jamais un gars en pur Muay Thai, un high level faire ça. Ils ne le font plus. Ils sont là. Bam. Le point à la hauteur. Parce qu'à chaque fois qu'il. Maintenant, si je comprends, c'est comme ça. Ouais, mais tu vaut mieux mettre le point. Parce qu'avec le gant, tu n'as le rapport au final. Et on est même le problème, c'est que tu fais ça. Tu peux pousser, mais souvent ce qui se passe, c'est que les arbitres sont un peu pointueux là-dessus, parce que tu mets les doigts dans les yeux. Je te les mets dans la face pour avoir un point de pénalité, tu n'as pas très envie. Donc, on préfère garder la main. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que moi, je donne le coup de pied à quelqu'un. Bam, je tombe encore sur lui avec un point. Tiens, vas-y, mange. Hop,
bang, bam, et je reviens encore agressif. Donc je l'ai, il pense que c'est ça le coup qui l'empêche plus simple. Ram, bang. Il y a un combat, Hector Lombard contre Dan Anderson. Vous avez vu, il lui a mis le coup de pied, il lui a attrapé le pied, il a fait ça. Ha, il lui a revenu un hammer fist. Il a le plus coup de hammer fist, il l'a knocké. Parce qu'il avait la main. Ah ouais, non, c'est ça, c'est ça. Encore quelques coups de pied et on met les dents. Lui il est malin, il écoute ce que je te dis, il dirait. J'ai une haute. Il est malin, comme ça je lui dis rien à lui. Allons, je le ok, time. Mettez vos gants, bandage, si t'en as, t'en as pas. Il n'y a pas de bandage, puis il y a c'est bien. Ok, bien, je vais te mettre des wraps que j'ai dans le sac. J'ai pas trop envie qu'on fasse mal, vous êtes même si on va pas trop fort. Ah, ça va, je vais essayer. Et je vais te serrer. On commence par la boxe et on fait le Muay Thai derrière. Ce qui se passe, c'est que garde. Ok. Tu peux te faire chier plus que gauche. 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 Ok, gauche. C'est avance pas. Avance pas. Gauche. Gauche, droite. Non, pivote. Il va être sur place, on y va. Eh non, c'est dur, hein. C'est dur. Même si tu mets le point ici, mets-moi la gauche ici. Yeah, c'est 1, 2. Tu vois, j'ai même pas besoin qu'il vienne. 1, 2. Si je pivote sur place, je suis équilibré sur place. C'est vrai que je fais ça. Quand vous allez comme ça, on va me donner. Même si tu peux faire ça à la main, avec ton père, fais des. Et c'est lui autour des pieds, s'il dépasse, tu as une crème glacée. Ça va être ça. Avec crème glacée, tu vas avoir plein de diabète. Voilà. Elle n'a pas envie de te payer ta crème glacée, mais il s'améliore. Yes. 1, 2, crochet. On ne bouge pas, c'est pas ça. 1, 2, crochet. Yes. Regarde, ne t'éloigne pas. T'as pris une bonne distance. Pourquoi tu t'éloignerais? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Le hook, plus comme ça. 5, forme de crochet. Donc, arrive là. That's it. Pas plus. Pas comme je veux. Ok, go. Vol, pivot, tête sur les bases. Là, écrase-moi ça. Go. Et 1, 2, 3. Et ici, go. Hop. Gauche, gauche, gauche. Gauche, droite. Pivote, lever, pivoter, lever, pivoter, quand je demande pivoter, ouais, et crochet en plus, gauche droite, gauche droite, relever, 1, 2, 3, soumis de boulie, 1, hop, hop, 1, 2, 3, relever encore, et tu vois, il y a un défaut que les gens font, je supporte personnellement, je suis pas personnellement, c'est comme. J'aime pas trop ça, mais je vais expliquer pourquoi. Karaté. Ils tournent toujours leur pied gauche. Regarde. Quand vous tournez votre pied gauche, moi je suis pas en école où on le tourne pas. Je respecte ceux qui le font, mais je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Moi j'aime pas le tourner. Pourquoi? Parce que si je t'ai. C'est cool pour toi, c'est bien. Mais si je te loupe. Bang, je m'en prends une. Et essaye de ne pas le bouger. Regarde, on va faire ça. Je me contorsionne pour et gauche, droite, crochet. Juste maintenant, j'aimerais juste que tu tournes ça. Ton chest. Et de lever moins le coude. Parce que regarde, ça va être simple. Gauche, droite. Là, ton épaule est déjà prête. Il va dégager. Voilà. Maintenant, j'aimerais juste que tu vois, gauche-droite, et tu reviens sur place. Gauche-droite, reviens sur place. Maintenant, regarde, on va être à bas. On est cheap, nous, dans les arts martiaux. On ne veut pas faire plus de mouvements qu'il y en a déjà. Donc, je vais utiliser le mouvement pour revenir avec la droite, pour donner le hook. Mes jambes, elles ne bougent pas. Mon pied droit fait juste le même mouvement, mais revient en arrière. Mais juste ce que je vais faire, regardez, 1, 2, regarde.
tiens encore. On va revenir, reste en avant. 1, 2, 3. Serre tes abdos, tu vas. Là, tu l'as fait après, tu sais quoi. Vu que t'es là, pivote, là, ton bras est déjà chargé. Donne. Non, tu fais ça, et absolument tu veux monter. Non. 1, 2, 3. Tu vois. 1, 2, pas. Encore. Maintenant, regarde. Quand tu as mis la droite, juste laisse le chest tourner un petit peu et ensuite on voit le. Yes, c'est ça. Un peu plus sur flow. 1, 2, 3, 4.
pas de temps mort entre la deuxième gauche et la focale. Et on ouvre plus le droit. On va le chercher swinguer plus là et on ouvre plus. Quand tu le donnes, extends ton bras, tends-le, tu vas sentir un muscle derrière qui va comme bouger un peu. Tu vois, c'est ça. Oh ouais, j'ai déjà senti. J'ai déjà ressenti. C'est toujours au proche. Non, mais tu peux. Regarde, c'est un avocat proche, tu vois, regarde, tu peux le. C'est comme une pelleteuse, c'est comme une machine. Peut-être que c'est comme une machine là. Tu vas chercher comme proche, loin, loin, alors que là, 1, 2, 3, les hooks pareil là, 1, 2, 3, hop, beaucoup de distance, donc allongé. On est doté de ça, il faut allonger. Juste faire un petit curve, pas descendre plus bas que le chest. Gauche, gauche. On va pas étayer, tout serait sur place. 1, 2, 3, 4. Ça paraît à tout, on a un petit peu de TDA dans la famille. Ah, j'ai rien dit, mon pote.
donc. Et mets tes deux points comme ça. Je veux ça. Toi, tu fais ça, ça. Non. Je veux directement ça. Tu vas le pousser. Yes. Voilà, ça c'est le mec gauche et clic. Écoute avant de lancer. Hop. Et tourne maintenant ta hanche là-bas. Donc quand tu frappes, donne-moi le kick. Quand tu tournes, ben, la hanche tourne un petit peu plus. Voilà, c'est ça. Donc sur ton pied avant, ça fait ça. Ok. Gauche. Hey, ça kick bien. Oui. Oh, oh, encore. Par exemple, tu fais juste de haut, tu mets le talon ici, tu fais ça. Quelque chose de plus haut, bien sûr, tu kicks, tu fais genre tu kicks. Mesdames, messieurs, avec vous. C'est bien, ok. Kick. Problème de haut. Le petit corps. On essaie maintenant de tourner sa hanche, de, au lieu de faire ça, on essaie d'aller là-bas. Donc, on va là-bas et on garde là-bas. Là, c'est pas grave si tu regardes pas ton la tête. Plus que tu tournes. Un. Regarde là-bas avec la hanche aussi. Mieux. Encore. Encore. Maintenant, la hanche aussi. Il n'y a pas que le corps qui tourne. Parce que si on est comme ça, on va être là. Donc, ce que je veux là, c'est ça. Donc, ta hanche, tu la pousses là. Donc, c'est tout le corps. Comme je fais, demande ta jambe. Tout le corps, la tour, et c'est ça, et la jambe en dessous. Je vois ce pas. Faut que tu m'excites qu'un manche à balai. Ouais, c'est ça, tu fais ça. Mais c'est pas grave. Non, rigole pas. Hein. Il y a quoi éviter de ça. Hey, c'est la chance. Hey, mais là, je vous avais, hein, normal. Attends, tu vois, ah, je vais hein. On va aller. Non mais c'est bien avec moi, dès la naissance il faut les mettre, t'sais. Moi j'ai mis longtemps à savoir kicker pour une fois attraper. C'est pour ça que j'ai vu la sainte pour les gars. Faut pas toujours se faire. Faut faire aussi ça. T'es bon restaurant, tu mets. Yes. Hey, ton arme. Yes, encore. Maintenant, on va faire des low kicks. Gauche. Low kick. Mais je veux que tes poings restent à ta face. Ok. Même les low kicks, tu dois tourner là, là. Ouais. Là, là. Comme une baseball bat. Vraiment, quand tu parles de base de baseball. Donc, je fais pas ça. Bam, je vais mettre ce qu'il y a dedans. Essaye de tendre la jambe. Là, ta jambe, elle arrive, elle est comme ça. Ok. Moi, je veux quand elle arrive. Plus loin. Tu vois? Ouais, je fais ça. Ça, c'est le truc logique, je te fais pareil. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand t'arrives là, je fais le moins fort pour essayer. Tu vois, juste ça, au petit coup là, comme. Ah, et quand tu kicks, tu kicks juste là ou là, pas trop. Pourquoi? Parce que ici, il y a un air. Ici, il y a un petit muscle là, tu vois, tu prends celui-là, là, tu prends celui-là, là, tu le prends là, et tu le sens, c'est pas désagréable, hein. Désagréable, désagréable. Le mec qui m'a kické le plus fort de ma vie, c'est pareil que ça, fait des Strike Force champion, par mon partenaire, top 10 UFC, j'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi, il m'a frappé, il m'a mis deux, je parle plus, alors du coup, je pars ensemble, mais tabarnak, je pense que la dernière fois qu'on se part ensemble, deux Loki, je me suis dit, je suis à la fin de ma vie. J'ai dit, si mon mec, moi, il y en a deux, j'étais là. Au troisième. La douleur, elle a traversé tout mon corps. J'ai dit, si mon mec, troisième, je suis mort. Je suis mort. Ma jambe, elle était à la fin, j'étais comme, ça va pas. J'ai rien insulté, j'étais comme, c'est la même proche. Je me dis, ah, pourtant, j'ai rien vu. J'étais comme, ah, putain de merde, j'ai mal pour une semaine, j'étais là. Ça va pas, voilà. J'avais ma crainte tellement qu'il frappe fort. Vas-y, va. Gauche. T'as pas besoin de. Parle par l'extérieur. Bam! Je l'ouvre plus. Au milieu des passes.
passe pas encore. Dis bien. Juste en haut, tu veux. Ouais, comme on prochain. Yes, encore. Yes. C'est mon sens du tigre. C'est mon sens du tigre. Dans l'œil du tigre. Oh, il est beau. Gauche. Lève tes poings, j'ai dit. Lève tes poings. Je répète, parce que c'est pas très bien compris. Il vise au milieu. Tu rebondes très fort. Yes, encore une fois. Viens ici, toi. Gauche. Gauche-droite. Gauche-droite, lui donne du droit. 1, 2, et. Non, pas d'équipe de karaté. Là. Kick, c'est ça. Allez, on y va. 1, 2, et. Un deuxième kick. Je veux deux kicks de suite. Go. 1, 2, j'en veux 3 de suite. Allez. 1, 2, 3. J'en veux 4 de suite. 1, 2, 3. J'en veux 5 de suite. On y va. 1, 2, 3. Juste là, j'en veux 6. Allez, ta jambe va traîner. 1, 2, et 3, 4, 5, 6. Là, ta jambe. Là, t'es bien. T'as vu, ça va être combat. Tu devrais être rouge que le tibia. T'es bien blanc, franchement. Ah, putain, c'est ça. 400 kicks, là, c'est la muse. Hein, quoi, tout ça? Un gros soufflé, c'est pas pareil. Allez, là, monsieur, toi, hop. 1, hop, 2.